de Marino la confiture. La confiture, ça dégouline, ça coule, coule sur les mains. Ça passe par les trous de la tartine. Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain? Bien sûr, on peut avec du beurre. Les trous, on peut bien les boucher. Ça ne sert à rien, c'est un leurre, car ça coule par les côtés. Faudrait contrôler sa tartine, la tenir droite exactement. On la met en bouche, ça coule irrémédiablement. Et ça vous coule dans la manche, et ça vous longe le pourpoint, de l'avant-bras jusqu'à la hanche, quand ça ne descend pas plus loin. Et quand ça coule pas, ça tombe. Le pain s'écrase entre les doigts. Ça ricoche, puis ça retombe. Côté collant, ça va de soi. On tente de passer l'éponge. On en met plein ses vêtements. Plus on essuie, plus on allonge. Plus on frotte et plus ça s'étend. C'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent manger de la crème de marron. Ça colle au pain, c'est sans mystère. C'est plus commun, mais ça tient bon. On fait l'école buissonnière. De retour, on prend l'escabeau. On va tout droit vers l'étagère. Pourquoi tourner autour du pot? Qu'elle soit aux fraises, à la ruban, ou l'ingurgite de bouillon. La confiture, on la chaparde, on l'aime clandestinement. Puis un jour, on l'est bien en place, on aime la vie de château. Dans les avions, dans les palaces, on vous porte sur un plateau. La confiture qui débouille, qui coule, coule sur les mains, qui passe par les trous de la tartine. Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain? Bien sûr, on peut avec du beurre, bien sûr, avec du beurre.